Je suis pas toute seule à avoir la responsabilité de ce qui va se passer. Il faut savoir que, en fait, j'ai hésité beaucoup à chanter cette chanson dans mon set, à plein de moments, surtout dans des églises, en fait. Et j'ai eu un mail d'un monsieur il y a pas longtemps, donc, qui m'a vu dans une église, et il m'a dit... Moi, j'avais un peu peur qu'il me remonte les bretelles, hein, sincèrement. Et il m'a dit, j'aime qu'on ose la grossièreté quand elle est ailleurs. Alors, comme ça, ça vous parle pas forcément. Écoutez la chanson après, peut-être. Voilà. J'ai pas besoin. C'est pas moi, mais c'est pas moi. J'ai pas besoin de vous, dit-elle. Je suis désolée. C'est bien, ça met dans l'ambiance rigolo. Il faut rigoler dans cette chanson. Faut pas être choqué ou quoi que ce soit. Je vous demanderai votre accord pour certains couplets, je pense. J'ai pas besoin de vous pour ranger mes vêtements. Partez, vous m'encombrez, dit la vieille en sautant. Pieds joints sur sa valise, on aurait dit Popeye. Elle avait encore la souplesse des abeilles. Et d'un pas décidé vers la gare Saint-Lazare, tandis qu'on faisait semblant de pleurer son départ, elle s'en allait gaiement, son bagage à la main, avec deux ou trois pauses pour se tenir les reins. J'ai pas besoin de vous, dit-elle au contrôleur, pour porter ma valise, j'en ai pour un quart d'heure. L'hospice est en banlieue, on dit que c'est un château, où les vieux jouent au Scrabble et aux petits chevaux. Moi j'ai horreur de ça, comprenez-vous monsieur. Je n'aime que les westerns avec plein de coups de feu. J'ai vu 14 fois l'infernal chevaucher. Je vous le raconterai bien, mais nous sommes arrivés. J'ai pas besoin de vous, dit-elle à l'infirmière, pour déplier mes draps, laissez-moi, j'ai affaire. Alors de sa valise, à l'abri des regards, elle sortit 20 bouteilles d'un célèbre pinard. Descendit au salon où les vieux et les vieilles jouaient aux petits chevaux en se grattant l'oreille. Bonsoir messieurs, mesdames, je m'appelle Fanchon. L'un d'entre vous n'aurait-il pas un tire-bouchon? Pas besoin de vous, dit-elle au médecin, en élevant vers lui son troisième verre de vin. Tandis que les vieillards autour de la pendule chantaient à quatre voix la grosse bite à Dudule. Et l'on vit ce spectacle ô combien ravissant, de 80 gâteux quittant l'établissement, afin de ratisser les hospices du pays, arrachant à la mort moribond, surpris. Est-ce que je continue? J'ai pas besoin de vous, dit-elle au curé, qui au chevet d'un vieux s'esquintait à prier. Vous voyez bien que ce cadavre n'est pas mort, s'il ne respire plus, par contre, il bande encore. Un petit coup de branlette le remettra sur pattes, comme un coup de manivelle sur une vieille juve à quatre. Le prêtre révulsé tombait les bras en croix. Il respirait encore, mais s'il ne pendait pas. J'ai pas besoin de boucler, remet tous les vieux, chaque fois qu'un député voulait s'occuper d'eux. Car vous n'avez pas su vous s'occuper de nous, à l'âge où nous avions encore confiance en vous. Tous les moyens sont bons pour gagner la coupole. Si les morpions votaient, vous sauriez la pérole. En tant qu'improductif, nous ne produirons pas un imbécile de plus à la tête de l'État.